Et bonjour à toutes et à tous, c'est Erza, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va faire la découverte du jeu Grand Kingdom. C'est un jeu développé par Spike Chunsoft et édité par Nice America, distribué en France par Koch Media. Alors, c'est parti pour la découverte de Grand Kingdom, un jeu qui ne se vendra peut-être pas forcément super bien, mais un jeu qui peut attirer l'œil de beaucoup de joueurs, du moins ceux qui aiment tout ce qui est... Tactical RPG, voilà. Allez, c'est parti pour le new game. Let's go. We got him cornered, boss. Alors, le jeu, on est le 17 juin 2016. Le jeu sort aujourd'hui. Voilà, comme ça, vous pouvez voir directement un peu du gameplay avant de un possible achat si le jeu vous intéresse. Voilà, c'est parti pour le jeu. Alors, c'est parti. The bastard have no chance of winning now. You got us, we surrender. Just please don't kill us. Alors, Grand Kingdom, c'est pas le premier jeu de la série. Hein. Il y a eu Grand Kingdom History, il me semble, qui était pas trop mal. Apparemment, d'après les premiers retours japonais, ce Grand Kingdom sur PS4, et même, je crois qu'il sort sur PS Vita, est assez moyen, mais il faudra voir ça sur le long terme. En tout cas, on va quand même faire une belle petite vidéo découverte, voir de ce que ça donne. Moi, je pense que ça peut vraiment m'intéresser. That battle cry. Damn it, a white flag. A white flag, I know it. Ok. You want us to just stay like this? D'accord, on peut faire avec carré, j'ai pas fait gaffe en haut à gauche. Autoplay, ça peut être sympa. Et backlog, c'est quoi? Pour voir tous les dialogues. Ok, ça peut être sympa. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment tout traduire comme il faut, voir un peu l'histoire. Là, on va faire autoplay, comme ça on va aller directement dans le vif du sujet. C'est parti. Je recommencerai le jeu de mon côté, y a pas de souci après. Ah d'accord. Ça passe juste à leur rythme, c'est tout. Ça fait pas autoplay rapidement pour passer la scène en fait. Ça vous évite juste d'appuyer sur le bouton constamment. Alors, je pense qu'on va peut-être même commencer par un combat. On va voir de quoi il en retourne de suite. I'm asking if you want to join us. The Guild? The mercenary organization led by the master swordsman Godfrey. Though you were an enemy, you showed impressive skill and it would be a shame to let you... Well... Allez, on va passer plus vite. Bah, c'était la fin du dialogue. 100 years have passed since the fall of the Uldane Empire. The long, brutal war left the four great nations crippled. And impoverished. Honor and virtue have become distant memories. Now, in the great continent of Rezanel, the battlefield is no longer dominated by knights, but by mercenaries. Some fight to put food on their table. Others fight for bounteous wealth. They plunge headlong into the jaws of death, not for any nation, but for the glint of gold. Mercenaries who live in an age of war. Let their story be told. Mercenary Work, Guild Episode 1. Ok, on a une sorte de map en 3D avec un pion. We have high standards for our mercenaries. On est dans le camp de la guilde. Ok. Pour first, doesn't matter when first, you know exception, ok. Vous avez deux choix. Take the test or take a hike, ok. L'objectif de la quête, c'est d'arriver ici, ok. Et on doit, ok, on doit pas faire trop d'action, sinon c'est terminé. Quest start. Alors, j'ai quatre personnages. Objectif, tac tac tac, action avec le stick ou la croix directionnelle, et action limite, ok, close. Ah, on avance comme ça. D'accord, vous avez vu, on a 250 tours. Bon, je suis revenu en arrière, j'ai utilisé un tour, mais c'est pas grave, on a 250 pas à faire pour arriver à l'objectif en fait. Allez, on y va.
je pense qu'on va y arriver quand même. Symbol ennemi. Ok. Intercepter les ennemis et détruisez-les. Let's go. Et là, on passe en combat. Ok. Un petit temps de chargement. Oh. L'aspect graphique, j'aime beaucoup. Assez pastel. Un petit loup. Volga Wolf, numéro A. Level 1. Oh, d'accord. ABC. D'accord. The timeline. Tac. Ok. On va essayer de comprendre ça. Maintenant, c'est à votre tour. Direction élastique to move. Ok, c'est parti. D'accord, je peux monter. On a trois lignes. D'accord, fais attention aux actions. Et utilisez les boutons des icônes pour faire les attaques. Ouais, du classique. Hop, slash, guarde. Et le intern, c'est la croix. Allez, c'est parti, on va slasher un peu. D'accord, il passe en garde automatiquement. Ok, ça marche. Bon, lui, c'est le leader. Le ranger, ça c'est pour moi. Lui, il peut dégainer de là. Shoot. Ah, d'accord, ok. Un peu, oh là là. Un peu même retourner en arrière. Bon, c'est pas très grave. La jauge est finie, mais. Touchpad, ok. Ah ouais! D'accord, je suis revenu directement ici, d'accord, ok. Pas mal. J'ai annulé mes actions. C'est pas mal. Shoot. Ah, ouais, sur lui, on va tester. Unlike melee tips, range tips, attack long time, ok. Voilà, action. Ok, consomme. Ça marche. Bon, bah, c'est bon. Ça, c'est compris, pas de soucis. Et là, il faut que j'appuie au bon moment. Voilà, 16. 16 points. D'accord. C'est pas mal. C'est bon à comprendre. Maintenant, autour de la sorcière. J'ai chargé apparemment. D'accord, ok. J'ai failli tuer mon leader au passage. Oups, my bad. Ah, j'ai eu un trophée qu'il fallait pas. Mais bon, c'est pas grave. J'ai eu le trophée. Je me suis pas mis sur bonne ligne. Bon, il est bientôt mort le loup en tout cas. Ouh, 25. Oh là là, il fait mal. C'est pas mal. C'est vraiment à l'ancienne sur plusieurs lignes. Maintenant, autour de la healeuse. Medical bag. Ok. Ouais. Je peux pas. D'accord. Là, je peux. Voilà. Ça marche. D'accord, elle sort un sac pour healer. D'accord, on doit le ramasser. Bon, ben c'est bon à savoir. D'accord, c'est tout. C'est tout. Allez, leader. Ah, d'accord, il le ramasse automatiquement. Ok. On va faire ceci. Là, lui va se prendre un slash dans la tête. Voilà, lui, il est mort. On va revenir derrière. Ah, d'accord, je peux. Bon, c'est pas très grave. Lui, il va reculer au max. Voilà. Long snipe. On va faire un long snipe pour voir. D'accord, on peut tirer directement comme ça. C'est parti. Ah oui, ça fait mal. Effectivement. Ça fait très mal. Là, on va se remettre ici pour lui. On fait quoi, le fire spell? On va faire le lightning. Attendez, on va faire le fire spell. On va voir. Attaque. Non, ok, ça marche. Allez, lightning. On va faire péter. Ouais, c'est bon, on l'a démonté. Il est pas mort, mais presque. Est-ce qu'ils peuvent contre-attaquer? Non. Ça va être un jeu très tactique. Alors, elle, Acid Throw, Heal Potion, Medical Bag, ça on l'a vu. On va monter là. Est-ce que je peux faire Acid? Oh. D'accord, on va reculer. Ici, ah bah voilà, je suis à bonne position. D'accord, il est mort. Super. Dans la condition, ok, ça marche. Et on va le finir avec un petit slash. Terminé. Voilà, le combat est terminé. C'est pas mal. Il y a des bonnes petites actions à faire.
Ça a l'air assez dynamique, ça a l'air vraiment très très cool. On a récupéré 12% d'HP, ok, TP4, c'est bon. Arthur, Florence, Jessica, William, voilà les noms des personnages. Ok. Would you like to repeat whether... Non, c'est bon. C'est bon, on a à peu près compris, on va apprendre sur le tas. On a gagné. Pouvez-vous aider, tac tac tac, ok ça marche. Donc d'accord, troupe condition, ok. Mais d'accord, je me suis trompé de bouton. Troupe condition, on peut voir un peu le statut des personnages. Utiliser les skills, ok. D'accord, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça marche. Talisman, salve. Quest info, d'accord. Ça va. Donc, Medic, c'est Florence. Ne pas en un peu avec Florence qu'on peut faire. Target. Max charge. Votre troupe attaque défense increase de 10% pour 3 battles. D'accord, pour 3 batailles. Allez, c'est parti. Le symbole des ennemis. Les ennemis classiques, les ennemis difficiles et hidden enemies. Ok. Bon, ça marche. En plus, il y a une jauge de morale, j'avais pas vu à gauche avec les actions de count. On a 230 pas encore à faire. 85% de morale. Attention. Un ennemi caché. Hidden enemy. Ah, il est classe lui. Le hunter. Il est avec deux loups. Ok. À nous de faire mal. On y va, on y va, on y va. Slash. Ah mince, j'ai loupé le dernier coup, j'aurais pu le tuer en fait. Ouais, on va se la mettre. Ah, fort. C'est vrai qu'elle a de l'acide. Ah, j'avais oublié. Bon, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Facing, c'est quoi facing? D'accord, c'est pour changer. Ouais. D'accord, oui, c'est juste pour changer de côté comme ça, sans bouger en fait. Ça marche. Et un dos, on va revenir. Donc on va faire ceci. On va tirer sur lui. Et ce sera bon. Parfait. Là, c'est nickel. À elle maintenant. On va faire du lightning. Vous pouvez voir qu'il me reste plus que 3 lightning. Faut faire attention. Lui. Long snipe. Ça, on est bon. Par contre, je vais toucher ma collègue. C'est pas très grave, on va tester. Oh, bon. Ah ouais, d'accord. Effectivement, ça a bien fracassé ma collègue. Bon, il m'enlève pas beaucoup non plus. Ça va aller. Mais elle, par contre, il va falloir qu'on la soigne. C'est bon à savoir. Tac, 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 tac. Elle, faites ta charge. Lui, attaque ici. Voilà, lui, il est mort. Là, on est bon. Elle. Allez, on va la soigner. Ouais, ça devrait être bon. Une potion. Ah d'accord, ça lui aurait mis 193 points. Donc ça va, c'est cool. Et c'est parfait, on l'a démonté, d'accord. En fait, c'est faut vraiment faire gaffe au sniper du gars là. Parce qu'on a quand même démonté notre collègue. On a récupéré 12% et 4 TP. Ok. Ouais, toujours level 1. On est à bloc niveau PV. C'est parfait. Le jeu est très très plaisant en tout cas. Fais attention. Si je vais parler avec quelque chose, non, y'a rien. Fais attention, ils avancent en même temps. Oh, bon, faut pas faire trop de pas non plus. On va se le faire lui. On va se le démonter un petit peu. Un fighter. Ah, 3 combattants. Ok. Allez, Arthur. Ouais, je l'ai eu. Voilà, j'ai enchaîné au bon moment les attaques.
Il y a son moral qui est en berne, l'autre. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ils sont assez violents, mais il m'a pas trop enlevé de points de vie. Alors, Florence. Florence. On peut... son attaque acide. Ça devrait le toucher, là. On va tester. Ah oui, quand même, je l'ai démonté. Bon, ils sont assez simples, ces ennemis. Ces ennemis classiques, donc ça va aller. Ah d'accord, quand j'arrive ici, ça enlève mon collègue, ça me met vraiment derrière. Là je vais faire un fire spell. On va tester. Je peux pas, d'accord. Bon, je vais faire le lightning. À part que j'arrive à le tuer de là lui. Pas derrière, voilà. Ah c'est bon. Shoot. Ah mais j'appuie trop tôt, j'ai tué ma collègue. Pas tué mais j'ai tiré sur ma collègue. C'est bon à savoir. Et tout à prendre en compte dans ce jeu apparemment. Mais en tout cas le jeu est vraiment très très plaisant pour l'instant. On enchaîne les combats, c'est assez simple pour l'instant. Pas trop de difficultés majeures mais le gameplay me plaît. Et c'est bien ça le principal, mais malheureusement c'est vrai que le jeu ne va pas attirer beaucoup de monde, il est tout en anglais, il n'est pas traduit en français. Ils ont quand même fait un effort de le sortir chez nous, donc il faut saluer ceci. Hop, bon, ici, voilà. Là, pass display, square display, tata, getting used to movie, ok. Change the mass display, display time. On va tester, on va voir. D'accord, voilà, voilà, on fait ce combat là. D'accord. Allons-y. Ah d'accord, il a reculé malheureusement. Je l'ai fait reculer avec mon attaque. Elle, on va l'attaquer ici. Bon, elle est morte. Alors, elle, on va se mettre en haut. Alors, on va reculer un petit peu. Attendez. Mais, je me suis trompé de bouton. C'est pas grave. Donc, snipe. Je l'ai tué. Il reste plus qu'une. J'appuie sur la croix, j'ai mis fin autour de mon personnage. Hop. Ah ben là aussi, voilà, j'appuie sur la croix au lieu du rond. Bon du coup, toi tu recules. C'est parti. Et voilà. C'est une healeuse mais son attaque elle est vraiment pas mal, son attaque acide. Gagner 9% de HP. On gagne pas beaucoup d'XP. Hein. On va faire le combat jusqu'au coffre. Et après on arrêtera là pour cette vidéo découverte. Ses premières impressions sur ce jeu, Grand Kingdom. Attention l'ennemi là. Je sens que ça va être dur. C'est parti. Le symbole ennemi est difficile, 14 TP, vous pouvez le combattre, utiliser effet skill. Quest menu. Ok. Quest info, skill. Bah, je me trompe de bouton en fait. Alors, Arthur. Treasure Warp, Max Charge, Experience. Fais un peu un truc d'Arthur. On va trésor. Ah, d'accord. Il désigne les trésors. Hop, et les warps. Ok, ça on l'a vu. Attaque, défense, améliorée. Donne plus d'XP quand vous gagnez le combat. Increase troop. Ah, bon, maître. Voilà. Donne 30% d'HP supplémentaire. On va prendre celle-là. C'est parti. Plus 30% d'HP. C'est
Good. Faisons péter le combat. On va voir ça. Ouais. Attendez. Fait skill. Press. Select your skill from the quest menu. Ça suffit pas? Ah d'accord. Ok, c'était pour le trésor en fait. Et là je veux le coffre tranquillement. Ah, on passe l'ennemi. D'accord, il nous disait, ouais c'est vrai. C'est vrai qu'il nous disait que l'ennemi était assez fort. Donc c'est une solution pour l'éviter. On va ouvrir le coffre. Un truc pour se régénérer. C'est parfait. Et là on passe l'ennemi. D'accord, on passe l'ennemi comme ça, tranquille. Par contre, hop, 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 on avance. Voilà. Attention, plusieurs routes. Vous pouvez. Ok. Yes. On passe. Alors, on va ouvrir le coffre. Ok. Et là, on arrive à la fin de la quête. Il nous reste 161 pas à faire. Donc, du coup, c'était tranquille. Je pense pas qu'on a tout vu dans cette première quête du jeu, mais en tout cas, c'est pas mal du tout. La destination est ici. C'est parti. Ah, combat! Un combat pour terminer. Allez, on se le fait et on se quitte là pour cette vidéo découverte. Oh! Ils ont un mur. Tous les obstacles, tac, tac, tac. Oh! Alors, arrow shield, d'accord, ça c'est pour se protéger des... des flèches, un wood barrel, heal box, d'accord, et une tour. Tac tac. On va voir ça. On va voir ça. You can check. Ok, on peut checker les ennemis avec le stick droit. HP, skill, assist, statue. Et même nos personnages. D'accord, ok, 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 ok. Alors. Bon, il est caché là. On y va. Allez. Je peux. Ah, je peux quand même. Je passe. Je peux pas passer. D'accord. Ok. Bon, on va avancer ici. J'aurais peut-être pu casser la barrière. On va voir. Bon, ils font pas trop mal non plus. Il va falloir prendre en compte quand même cette barrière pour les flèches. Là, je peux pas le toucher là. On va arrêter là. Je me suis trop avancé. Attendez, je vais faire. Ah, le lightning, je peux pas le faire là. Ah mince. Là, par contre, je peux le toucher là. Là, on peut le toucher. D'accord, ça lui avait quand même la moitié de la vie. Et lui avec ses flèches. Est-ce qu'on peut le shooter? D'accord. Là, je peux l'avoir ou pas? Non, on va reculer un peu. Là, je peux l'avoir. C'est parti. C'est bon, lui, il est mort. Pas mal de choses à prendre en compte sur le combat. Sur le terrain, tout ça. Mais il est pas mort, en fait. Bon, là, ça va. On va se le terminer après. Il se protège. Il se protège. Donc, acide. Un petit coup d'acide pour toi. T'es mort, voilà. Fin du tour. Allez, on va le faire avancer. Je peux pas avancer. Ah mince. Et là. Ah, je peux pas avancer là. Bon, restez là. Ok, c'est bon à savoir. Ah, là je peux le toucher lui. Allez, c'est parti. Allez, Ranger, c'est mon dada. J'adore tout ce qui est Ranger. Ah, j'ai loupé. En fait, c'est chaud, hein, parce qu'il y a quand même cette barrière. Bon, c'est bon, je termine. On n'en parle plus. Il est pas mort, il est pas mort.
Ok. Acide. On va reculer un petit peu. Je peux y faire l'acide. En fait, la healer, c'est quand même la plus efficace. Fire spell. Fire spell, ok. On va tester. 18 points de vie. Là, on est bon. Shoot. Mettre au fond, voilà. On peut échapper au combat tout à gauche. Là, un petit shoot. Voilà, c'est bon, on l'a eu. Trois fois d'affilée, je l'ai eu, là. Pas mal. Franchement, c'est pas mal. Des petits obstacles sur les terrains, là, pour les ennemis, tout ça, ça peut être intéressant. C'est quand même beaucoup plus tactique que ce que je pensais, en tout cas. Et en tout cas, ça me plaît vraiment énormément. Next open guild army. Si vous essayez battle, restaure HP. Restaure HP. D'accord, on va faire restaure HP. Ouais. Ok. D'accord, on peut enchaîner sur notre combat. Sometimes we have success battle. Ok. Ça marche. Oh, et sur sa caisse lui. Attention. Bon, il a pris cher. Bon, ça va. On est bien protégé. Allez, un petit coup d'acide. Ouais, une à moins. D'accord, alors ça c'est la healeuse. Allez, fais péter. On va faire la healeuse. Ah dommage. Dommage, dommage, dommage. Ah mais j'ai pas pu la toucher deux fois. Attention à l'autre ranger. Quand même. Il faut le surveiller lui. D'accord, je vais peut-être aller trop vite sur le bouton. J'ai fait une attaque trop rapide. Oh mon gars. C'est pas que je t'aime pas mais... T'as crevé. Voilà, c'est mon arme ultime. Ah oui, on met de la vie. Ok. Ok, ok. C'est chaud. Fire spell. Ça marche. Allez, fini là. D'accord, je peux bourriner le bouton, ça fait plus d'attaque. C'est bon à savoir. Alors, elle, elle est plus là. Oh, putain. D'accord, il y avait un piège. Il est pas mort. Il est pas mort. L'enfoiré. Voilà, il va mourir. Voilà. J'ai touché ma collègue, mais excuse-moi. Major accident. Ça roule. Toi, tu vas faire ton spell ici. Voilà, on l'a eu. Démonté, fracassé. Tout ce que vous voulez. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo découverte de Grand Kingdom vous a plu. C'est un petit tactical RPG vraiment très très sympathique qui sort chez nous aujourd'hui le 17 juin 2016 sur PlayStation 4. Il me semble qu'il y a la version PS Vita aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et bon jeu à tous. Ciao tout le monde.